Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire en appuyant juste ici. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche à côté pour recevoir une notification dès que je sortirai une vidéo. Bon visionnage! Bon les enfants, avec papa, on va partir au solde, donc on prend, enfin on va faire les soldes avec Chloé, donc Chérie, tu viens? Oui, oui, j'arrive. Bon, bah on vous laisse tout seul à la maison, ok les enfants? À toutes. De toute façon, je vous emmènerai lundi, vous deux. Bon, ils sont partis, tu veux qu'on fasse quoi? Ben, j'ai vu sur des vidéos, en fait, genre, j'allais te proposer un truc, en fait, je sais pas si tu vois, en ce moment, il y a plein de challenges que les gens ils font sur des vidéos. Oui, oui. Eh ben, genre, j'ai une idée, on a qu'à faire une compétition, on fait plein de challenges, et en gros, dans les challenges, on met des points et tout, et bah, à la fin, on fait une compétition, quoi, et le premier, voilà, le premier, il est cool. Et le premier, il gagne quoi? Ah, mais j'en sais rien. Allez, il gagne un truc. Le perdant, il fait des cookies au premier. Des cookies aux Smarties. Ok, des cookies aux Smarties. Ok, alors, on peut commencer par quel challenge? Alors, attends, parce que déjà, on va dire, on va faire quoi? Allez, 3, attends, moi, j'ai un challenge en tête. Au pire, moi j'ai une idée de challenge et toi t'as une idée de challenge, comme ça on fait on choisit un challenge chacun et comme ça c'est bien. Ok, mais dis ton idée avant parce que si on a la même chose. Bah moi c'est un essayer de ne pas rire, tu sais, on doit se dire des trucs marrants ou on regarde des vidéos marrantes et on doit pas rigoler. Ouais bah on se dira des trucs marrants, ce sera mieux je pense. Et moi mon challenge c'était The Floor is Lava, je sais pas si tu connais. C'est quoi? Je connais pas moi. Oh là là, c'est super connu en plus. Et ben en gros, tu vois, quand je dis... en fait, la version française, c'est le sol, c'est de la lave, mais le The Floor is Lava, c'est mieux. En gros, c'est... tu vois, je dis The Floor is Lava, max. Et en gros, t'as 5 secondes pour aller ailleurs que sur le sol, en fait. Il faut que tu te perches. C'est, en gros, c'est un chat perché, tu vois. Sauf que t'as 5 secondes pour te percher, sinon t'as perdu. Ah, ouais, ça peut être bien, ok. Bah, tu veux qu'on commence par quoi? Par le essai de ne pas rire? Ouais, si tu veux. Alors, bon... ah, par contre, attends, on n'a pas dit les points. Comment on fait? Bah, on va dire qu'on commence chacun avec 10 points. Et le, en fait, genre, à chaque fois qu'on rit, on va dire qu'on va perdre un point. Et on va dire le premier qui arrive à 0, bah, il a perdu et ça fait un point pour l'autre. Enfin, ça fait un point pour la compétition pour l'autre. Ok. T'as vu, hier, il a fait beau, hein? Oui. Et c'est censé faire rire? Non, je sais pas. Je vais te raconter une blague. C'est l'histoire d'un chat qui était perché. Et ben chat perché. Waouh, ton niveau de blague il est très très fort hein. C'est l'histoire du petit déj, tu la connais? Non. Bah pas de bol. D'accord. J'ai aussi, c'est l'histoire d'une blague vaseuse. Et? Mets tes bottes. Waouh. Ok. Moi j'en ai une. Donc c'est deux mouches qui discutent sur un caca. Perdu. Attends, j'ai même pas raconté ma blague. T'es trop nul. Oh non. Bon, t'as 9 points. Ok, bon, je peux recommencer ma blague? Oui. Ok, donc, c'est deux mouches qui discutent sur un caca. Rigole pas cette fois. S'il y a une mouche qui dit, j'ai une de ses envies de péter, moi. Max, t'es trop nul. Oh non, j'ai perdu un point, moi aussi. Bon, alors t'as 8 et moi, j'ai 9. Donc, je continue ma blague, hein. L'autre, elle dit, grosse dégueulasse, on est à table. mais je suis trop bête. Bon, t'as 7 points et j'en ai 8. Ok. Alors moi j'en ai une. Quelle est la mamie qui fait peur aux voleurs? Hein? Mamie Traillette. Non. Bon, j'ai 7 points et t'en as 7 aussi. Oh, on est égalité là. Ok. Comment appelle-t-on un chien qui n'a pas de pattes? Bah je sais pas, un prénom de chien quoi. Bah non, on l'appelle pas, on va le chercher. Ah non. 6 points. Bon, je peux toujours me rattraper en te faisant rire. C'est deux œufs qui discutent. Il y en a un qui dit « Pourquoi t'es tout vert et aussi poilu ?» Et l'autre, il dit « Parce que je suis un kiwi !» N'importe quoi. Ouais, 6 à 6. Faut que je me rassaisisse, allez. Comment, je sais, comment on appelle un bébé éléphant prématuré? Bah, un prématuré alors. Non, un éléphanto. Retiens-toi. Oui, j'ai pas rigolé. À moi. Pourquoi les vaches, elles ferment les yeux pendant qu'on les trait? J'en sais rien. Pour faire du lait concentré. Ouais, on a égalité, 6 à 6. Bon, je peux raconter une blague encore? Non, c'est à moi. Donc c'est quelqu'un qui rentre dans un café et... plouf, c'était pas drôle. Bon, à moi. Alors c'est un aveugle qui rentre dans un bar et il rentre aussi dans une table. T'as perdu. 5 à 6, oui.
Et j'ai pas fini ma blague. Il rentre aussi dans une chaise et dans un mur et... Arrête. Ouais, 6 à 4. Ok. Non, mais tu rigoles pour rien, t'es nul. 6 à 3. Oh, je ne vais jamais me rattraper. Quel super-héros donne le plus vite l'heure? Superman? Non, Speed-er-man. Speed-er, vite-er-man. Ok, moi j'en ai une. Alors c'est quelqu'un qui entre dans un bar et il dit « Salut, c'est moi !» Mais en fait, bah c'était pas lui. Mais t'as vraiment des blagues bizarres. Bon, de toute façon, je suis sûre que t'as gagné là. 6 à 2. Alors, j'en ai une. Tu sais quoi la différence entre un lapin et une bouteille en plastique? Non. Ils sont tous les deux en plastique, sauf le lapin. C'est n'importe quoi, si le lapin il est pas en plastique, ils sont pas en plastique. Ok, bon bah 5 à 2. À moi. Alors, c'est quelqu'un qui dit pourquoi tu vas toujours aux toilettes avec du pain? Et l'autre il dit bah c'est pour donner à manger au canard, tu sais le canard des toilettes WC. C'était pas drôle. Ok, à moi. Donc c'est deux vaches qui discutent. Il y en a une qui dit ça te fait pas peur toi ces histoires de vaches folles? Et l'autre il dit bah je m'en fous, je suis un lapin. C'est n'importe quoi. Oh non, non, je suis bête, j'ai rien à prendre la blague. Oh non. Bon, 1 à 4. J'en suis sûre, je vais perdre. Alors, c'est à moi. Avec quoi ramasse-t-on la papaye? Avec une fourche. Ok, je viens de comprendre. La paille avec une fourche. Bon, de toute façon, j'ai perdu, je le savais. Bon, voilà, c'était bien ça. On fait le The Floor is Lava Challenge maintenant? Oui, mais tu dois m'expliquer un peu plus. Bah en gros, dès que je vais te dire The floor is lava, et bah t'as 5, je compterai, je ferai 5, 4, 3, 2, 1, et tu devras aller grimper sur quelque chose, n'importe quoi. Sauf que t'as pas le droit de monter deux fois sur la même chose. Genre, si tu montes une fois sur la table basse, et bah tu pourras pas monter une deuxième fois. Ok. En fait, je te dis quand je veux The floor is lava, par exemple, si là on parle, on raconte notre vie et tout, bah je te dis The floor is lava, et 5, 4, 3, 2, 1, et voilà. Mais on va dire, bah je vais devoir te le dire 5 fois en tout, et bah du coup t'as 5 points, et à chaque fois que tu perds, et bah ça te fait point en moins, et celui qui a le moins de points, il perd cette manche. Ok, tu fais 5 fois The floor is lava, ou on fait comme on veut? Bah je le fais 5 fois moi. Parce que si on dit en même temps... Ok, bah c'est qui commence à le dire alors? Bah je commence si tu veux. Ouais ouais ok, comme ça ça me fait un entraînement. Ok, alors bah je sais pas, tu veux qu'on parle de quoi? Mais tu... on devait pas jouer? Floor is lava. 5, 4, vite, je sais pas où me mettre. 1, pfiou, c'est bon, de justesse. Ouais, t'as ta chance, maintenant tu peux redescendre. Et juste, c'est pas dit aussi, genre on peut faire des pièges. Si par exemple je te dis, bon je te dis en français comme ça va pas compter. Si je dis le sol c'est de la pierre, et bah ça compte pas tu vois. Et si tu te perches, ça te fait perdre un point. Donc pour l'instant t'as toujours tes 5 points et il reste 4 manches, ok. Ok, donc si tu dis the floor is papa. 4, oh, vite. Oh mais non, t'as dit papa, 2, je suis bête. 1. Et voilà comment te faire perdre un point super facilement. Bon, sinon the floor is lava. 5, 4. Ah merde, j'ai dit. Oui, c'est vrai. 2, 1. Non. Oh non. T'as brûlé. Alors, du coup, t'as... Attends, il te reste 3 points et... On a fait bah, 3 parties, c'est ça. Ouais, bah il te reste encore 2 parties. Et The Floor is Lava. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Non, je suis pas dedans. Attends. Max, tu t'es déjà perché là, ça te fait perdre un point. Donc tu as 2 points et il reste une partie. Ok, d'accord, cette fois je suis prêt. The Floor is Cake. Non, je me fais pas avoir. C'est pas un cake le sol. Le sol, si c'est un cake, je le mange. Ouais, t'as raison, The Floor is Lava. 5. Aïe! Non mais t'es malade, pourquoi tu te jettes sur moi? Bon bah moi j'ai réussi. Je suis trop fort, j'ai 2 points. Il faut que toi tu fasses mieux que moi. Et en plus moi je voulais des cookies, donc si je perds je serais triste. Ouais, aussi sûr. Tu vas me faire de la peine, je vais faire semblant de perdre. On va faire comme ça. Ok, alors ça commence. Donc The Floor is Lava. 5. C'est 4, super simple. 3. Ouais, pas mal. The Floor is Muffin. Vite. 2, 1. Oh non, je suis trop bête. Oh flûte. Bon, j'ai 4 points, il reste encore 3 parties, je peux le faire. Ouais, mais The Floor is Lava. Hop. 5. Trop de rapidité en moi, t'as vu. Oh non, je viens de me percher là à l'instant. Qu'est-ce que je suis bête. Eh, hey, mais en fait, t'es trop nul. Hein, pardon. Ouais, mais après, The Floor is Lava. 5. Tu t'es déjà perché là. Oh,
Oh, ça veut dire que t'as 2 points. Oh, si tu perds. Attends, il reste une partie. Il faut que tu rates là. Donc, il faut que tu rates. Ok. The floor is magma. 5, vite. 4. Bim, super chier. Oh non. Attends, quand j'y repense, t'as dit magma. Oh, flûte. J'ai gagné les cookies. Oh, mon petit frère, qu'est-ce que tu peux être naïf, mais je t'aime quand même. Les cookies.